Bonjour Pierre, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des derniers rebondissements de ce qui s'est passé à Gaza avec la CIJ et avec la propagande de Netanyahou pour l'UNRWA? Alors sur la CIJ, à la fois c'était quelque chose de grandiose que l'Afrique du Sud, un pays du Sud, un pays auréolé par sa victoire sur l'apartheid, porte plainte contre Israël. En même temps, c'est un peu toujours pareil, c'est-à-dire à la fois la Cour de justice reconnaît qu'il y a incitation au génocide, reçoit la plainte. Ce qui est peut-être le plus important, c'est qu'elle cite nommément un assez grand nombre de criminels de guerre à la tête d'Israël et les déclarations génocidaires qu'ils ont faites. La déception évidemment qu'on a, c'est que ça n'aboutit pas à une demande immédiate de cesser le feu, ça n'impose pas aux maîtres de ce monde de voter au Conseil de sécurité l'arrêt des combats. Et Israël avait prévu de très très longue date de s'en prendre à l'UNRWA. L'UNRWA, c'est ce qui fait vivre les Palestiniens. On n'oublie pas qu'à Gaza, 75% de la population sont des réfugiés et 72% ont la carte de l'UNRWA. Et en gros, en déclarant l'UNRWA organisation terroriste, évidemment, c'est ce que fait habituellement Israël pour diffamer la Palestine. Ce qui est gravissime, c'est que les pays occidentaux suivent. Et ce qui est encore plus gravissime, c'est que non seulement l'État français suit, mais la mairie de Marseille suit. Et donc là, on a, comme toujours, la politique des génocidaires qui est avalisée. On ne les a pas encore mis au bord de l'humanité. Il y a encore tout un travail à faire dans les manifestations, mais c'est le but. Le fait aujourd'hui de nier qu'il y a non pas un risque de génocide, mais un génocide en cours, et qu'il se continue avec la complicité de l'Occident, c'est du négationnisme de nier ça. L'offensive contre l'UNRWA, elle a été préméditée depuis plusieurs mois et elle n'a aucun sens. Il faut comprendre ce que c'est que Gaza. À Gaza, dans toutes les familles, il y a des gens qui sont au Hamas, il y a des gens qui sont au Fatah, il y a des gens qui sont au FPLP, il y a des gens qui sont au djihad islamique, il y a des gens qui travaillent à l'UNRWA. Gaza, ce sont des familles, c'est une société pluraliste. Donc cette idée, elle correspond tout à fait aux déclarations génocidaires des dirigeants israéliens, c'est de dire tous les Gazaouis sont des terroristes, l'UNRWA est des terroristes, nous sommes en face de terroristes et nous avons le droit de les massacrer. C'est-à-dire ça correspond totalement aux accusations d'incitation au génocide qui ont été données par la Cour internationale de justice. Ces accusations n'ont aucun sens. Je demande à tout le monde d'écouter dans le film Yalla Gaza, le directeur de l'UNRWA de Gaza, qui explique son travail, qui explique la résilience des Palestiniens, qui explique leurs difficultés, et qui explique le travail énorme qu'ils font pour que la population de Gaza reste debout. Merci Pierre Stamboul. Merci, merci, merci d'avoir. Comme quoi il y a un risque de génocide à Gaza. Beaucoup de pays occidentaux, et aujourd'hui même la France, mais en premier lieu, la mairie de Marseille a décidé d'annuler son aide financière à Gaza de 80 000 euros. Directement, après que la CPJ ait dit ça, ils ont décidé d'arrêter de donner des sous à l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Ils ont pas aimé Gaza, c'est plus que ça. On remercie Afrique du Sud d'avoir fait ça. On leur fait tout le droit. Mais sachez très bien que ça se voit maintenant, clair comme la roche, les États occidentaux, la mairie de Marseille, l'État français, ils sont complices. Ils sont tous en on le sait. Quand même,
parce que le maire c'est pour l'Empaillon, il faut que tout le monde sache. Israël, assassin, Empaillon, go!